Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour attaquer un énorme morceau puisqu'il s'agit des événements de Warcraft 2, à savoir la deuxième guerre de Warcraft, donc la deuxième guerre entre les orques et les humains. On parle pas de la deuxième grande guerre contre la Légion puisque ça c'est Warcraft 3. En tout cas, j'espère voilà, que vous allez bien. Gros morceau aujourd'hui, beaucoup d'informations à digérer. Il y aura pas mal de noms, pas mal de royaumes, etc. Mais ne vous en faites pas, on a prévu des cartes et j'en profite directement pour remercier Evanessor qui m'a évidemment beaucoup aidé pour ce gros morceau. Donc pour le rappel, on l'attaquera, donc la deuxième guerre on la traitera en 4 morceaux, je sais. Donc c'est pour essayer que les vidéos soient pas trop longues. Elle sera quand même longue, ne vous en faites pas. Mais du coup, on la fera, c'est simple, la première partie de la guerre, la deuxième guerre on l'attaquera en 2 parties. Tout simplement, partie 1, l'invasion de la Horde. Partie 2, la contre-attaque de l'Alliance. Sachant que la deuxième guerre, ce n'est pas que ça, c'est également la bataille de Draenor. Et du coup, la bataille de Draenor, on la fera dans un second temps avec partie 3 et partie 4, qu'on fera aussi en 2 parties avec l'attaque de l'Alliance et ensuite, l'attaque de la Horde et ensuite l'attaque de l'Alliance. Tout simplement, dans le même schéma. Alors, comme je ne ferai pas de vidéo spécialement pour Warcraft 1, je vous invite à regarder celle de Sam Vostok qui est absolument géniale. On va faire une rétrospective pour commencer, pour que vous ne soyez pas non plus perdus. J'irai pas dans le détail, un petit peu comme j'avais fait pour parler de War 2 et War 1 avec War 3. Donc on va pas forcément rentrer dans le détail, mais c'est important de le rappeler bien entendu, puisque la première guerre, Warcraft 1 au final c'était juste un conflit humain contre orc, mais pas n'importe lesquels, puisque c'était la horde des orcs qui envahissait Azeroth, à la fois la planète Azeroth, mais également le royaume d'Azeroth. Le portail noir que vous voyez là, enfin le Dark Portail, la porte des ténèbres, elle était tout simplement en Azeroth, le royaume d'Azeroth, avec la capitale Stormwind, Hurlevent, que vous connaissez tous, j'imagine. Et donc, au départ, ça ne concerne que le royaume d'Azeroth, qui va au début il se fait détruire, finalement il tient bon, et il va même contre-attaquer, et finalement il se fait péter la gueule. Donc on va revenir là-dessus. Au niveau de la carte, alors j'ai utilisé une carte de Warcraft 2, elle n'est plus tout à fait à jour, mais c'est vraiment, parce que si on utilisait des cartes de WoW, etc., ça aurait été beaucoup trop compliqué, l'espace était beaucoup trop grand, donc on a utilisé la carte de Warcraft 2, attention, globalement la carte d'ailleurs est bonne, hein. Globalement la carte est bonne. Faut juste, le truc qui est invalide, c'est plutôt l'endroit où est Dalaran et où sont Alterac, Dalaran. Mais sinon, globalement, la carte est bonne. Donc, on va l'utiliser. Il y a parfois des échelles un petit peu trop petites, trop grandes. Mais globalement, elle est très bonne. C'est juste Alterac et Dalaran qui vont pas du tout. Dalaran est censé être un peu plus au nord-est et Alterac est censé être dans les montagnes, pas dans une immense plaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis le drapeau d'Alterac dans les montagnes. Mais sinon, la carte est globalement bonne. Donc, là-dessus, on va commencer. Donc, le portail noir, vous le voyez tout en bas à droite. Par contre, c'était que en anglais, hein, ça n'existait à l'époque, il n'y avait pas en français. Donc, la porte des ténèbres que vous voyez tout en bas à droite avec le mont Blackrock qui est juste au-dessus, hein, le mont Roche Noir. Le mont Blackrock qui sera d'ailleurs le QG de la Horde pendant la deuxième guerre. Donc au début, voilà, la Horde est au niveau de la Porte des Ténèbres et va attaquer Stormwind, donc Hurlevent, vers l'ouest. Donc au départ, c'est juste comme vous le voyez, le drapeau bleu contre le drapeau rouge. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le drapeau rouge actuel, le drapeau rouge de la Horde, c'est le même, mais du côté de l'Alliance, je rappelle que à l'époque, il n'y avait pas d'Alliance, c'était juste le Royaume d'Azeroth, avec ce symbole du lion qui représente maintenant la Horde de Stormwind, puisque c'est le drapeau de Stormwind et d'Azeroth, tout simplement. Donc la Horde dans la première guerre va être sous les ordres du premier chef de guerre de l'Horde, le tout premier chef de guerre de l'Horde. Il s'agit de Blackhand, main noire. Blackhand, c'est le grand chef de la Horde. J'ai utilisé le modèle justement qu'il avait dans Warcraft 1, qui est plutôt classe d'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce modèle. Et donc tout simplement c'était lui qui menait les orques et qui au départ a eu de grandes victoires, puisqu'il a surpris quand même les humains qui s'attendaient pas forcément à avoir des immenses baraques, des immenses armoires vertes, puisque c'est des orques, à faire 2 mètres de haut sur des loups de guerre, etc. Ils s'attendaient pas forcément à ça les humains, ils étaient tranquilles, paisibles, et au final, eh bien, les orques au départ ont des bonnes... Alors je rappelle que d'ailleurs Blackhand est le chef du clan Blackrock, hein, les Roches Noires. Et en l'occurrence le clan Blackrock c'est tout simplement le plus grand et le plus puissant clan orc que l'on connaît. Et d'ailleurs si vous faites un orc dans World of Warcraft et que vous n'avez pas prévu qu'il soit dans un clan spécifique, vous avez de fortes chances qu'il soit automatiquement Blackrock.
puisque ça couvre à peu près 60% de la horde des orques. Hein. Le clan Blackrock, c'est énorme, donc ils sont tous quasiment des Blackrock. Même si, bien sûr, on a fait une petite coupure, parce qu'il y a certains Blackrock qui vont devenir des traîtres. Mais ça, ça sera bien plus tard. Du coup, Black End va tout simplement, avec son clan Blackrock, commencer l'assaut. Et au final, il y a deux de ses petits copains, à savoir Cho'Gall et Kilroy, qui sont tous les deux des chefs de clan, également, sous les ordres de Black End, qui vont faire le premier siège de Stormwind. Sachant que ça ne va pas fonctionner, donc Cho'Gall qui... Alors, j'en parle parce que derrière... Sinon j'en parlerai pas, mais c'est deux clans qui vont apparaître par la suite, donc je vais en parler. Cho'Gall, c'est le chef c'est le clan violet. Ah, c'est terrible. C'est le Twilight Hammer, donc le marteau du crépuscule en français. Donc le Twilight Hammer et Kilrog, c'est tout simplement le chef du clan Bleeding Hollow. Français, c'est l'orbite sanglante, je crois. Je crois que c'est l'orbite sanglante. C'est moche, mais c'est voilà, c'est le. Je le dis une seule fois en français, pas plus. Mais du coup, Cho'Gall et Kilroy vont assiéger Stormwind et finalement vont être mis en déroute puisque Lothar, le grand chef d'Azeroth, va tout simplement, donc le commandant en chef des troupes d'Azeroth, donc va réussir à défendre sa capitale Stormwind et va tout simplement poutrer les orques et les ogres avec eh bien, la cavalerie de Stormwind. Donc ça, c'est la première défaite, le premier contre-coup pour la horde des orques. Ils vont devoir se replier petit à petit. Pendant ce conflit, les orques vont perdre du terrain, les humains vont en profiter pour pousser. Et finalement, il va y avoir un énorme changement. Je vais pas y venir dans cette vidéo, j'attaquerai probablement en détail sur une vidéo soit sur Gul'dan, soit sur Medivh, soit sur les deux. Mais en gros, il va y avoir un énorme chamboulement dans la puissance, puisque là, la horde commence à perdre du terrain. Et finalement, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va concerner et Gul'dan et Medivh. Donc je rappelle que Gul'dan, c'est celui qui a ouvert la porte des ténèbres, donc c'est un warlock, donc un démoniste orc qui va ouvrir la porte des ténèbres. Mais c'est lui qui, avec Black End, dirige un petit peu la horde. Attention, Black End est le chef, contrairement au film. Le film, d'ailleurs, peut très bien vous aider à comprendre la première guerre, même si la fin n'est pas canon, et que beaucoup d'éléments dans le film ne sont pas canon. Mais ça peut vous aider, si vous avez jamais vu, à comprendre. En l'occurrence... Ce n'est pas par contre Gul'dan le grand patron, hein, c'est Black End. Gul'dan il essaye d'aider Black End et chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais c'est bien Black End le chef. Justement, comme la horde commence à subir des défaites, le commandant en chef, le bras droit de Black End, Orgrim Doomhammer, Orgrim Marteau du Destin en français, ce sera la dernière fois que vous entendrez Marteau du Destin, Orgrim Doomhammer du coup, le chef en second de la horde, se rend compte que Black End ainsi que la Horde n'est qu'un instrument des démons de la Légion Ardente et Gul'dan est en fait au final le jouet de Gul'dan et des démons. Donc il sait que son peuple est en sursis et il a envie de changer ce destin là. Mais il peut pas forcément agir puisqu'il y a Gul'dan et les assassins de Gul'dan qui soutiennent Black End. Mais il va profiter du fait que Gul'dan va tomber dans le coma. J'irai pas plus en détail parce que c'est très compliqué. Mais Gul'dan tombe dans le coma puisqu'il a un lien avec Medivh. Medivh est mis hors jeu par les humains de Stormwind. Et du coup, par Lothar notamment. Et du coup, Gul'dan tombe dans le coma parce qu'il était directement connecté, on va dire, en lien mental avec Medivh. Il tombe dans le coma suite à la mort de Medivh, Gul'dan. Et c'est le moment où Orgrim décide d'agir et il va faire un V1 Ashor à notre cher Black End. Tout simplement, lui lancer un défi. Tout simplement, un duel va commencer en Mac'Gora, qu'on appelle un Mac'Gora. Je rappelle, la Mac'Gora, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Hein, c'est... pas d'histoire de pas le droit de tricher avec des sorts magiques, tout ça, mais on s'en fout. Du coup, Gorgrim va gagner le duel contre Black End, il va lui exploser la tête avec son marteau et il va le décapiter. Alors faut savoir que le marteau, c'est pas tout à fait le même. Alors c'est un dessin que j'ai commandé exprès pour War 2 parce que Gorgrim avait pas forcément des superbes images, mais par contre sur le marteau, il est censé y avoir une pique en fait qui émerge à l'autre bout, que Thrall ne gardera pas, mais il est censé y avoir une pique et c'est cette pique qui va servir à Gorgrim pour décapiter. Il va se servir, en fait il lui explose la tête avec son marteau, mais Black End est un peu dans le coma, enfin il est on va dire un petit peu stun, hein, il est un peu assommé et il en profite du coup pour le décapiter avec son marteau. Donc une fin plutôt sympa pour Black End et il va utiliser sa petite tête et il va dire, ah, c'est moi le chef maintenant. Voilà, et du coup Orgrim va devenir le chef de la horde. Donc il devient le deuxième chef de guerre de la horde. Orgrim, maintenant qu'il est chef,
va relancer l'offensive contre Azeroth. Et tout simplement, eh bien, il va lancer le second siège de Stormwind et va être vainqueur. Orgrim est un très très grand chef de guerre, on y reviendra juste après, pour vous montrer que c'est une légende dans la Horde. Et il est tellement légendaire qu'il c'est son nom. C'est tout simplement son nom, Orgrim, qui sera le nom de la capitale plus tard de la Horde, qu'on connaît sous le nom d'Orgrimmar. Mais Orgrim, donc, il est un chef de guerre émérite, il va réussir à battre Lothar petit à petit dans différentes missions. Finalement, le siège de Stormwind a lieu et il va tout simplement eh bien, être vainqueur. Lothar est acculé à Stormwind et les Azerothiens, donc les habitants d'Azeroth et les habitants de Stormwind, vont devoir eh bien, abandonner la ville et vont devoir... tout simplement quitter leur royaume. Donc là c'est un exode massif qui va commencer avec tous les réfugiés de Stormwind qui vont fuir leur royaume et la ville qui est complètement bombardée et complètement mise à sac par les orques et vont devoir fuir vers le nord. Ne vous en faites pas, je vais ouvrir une carte pour que ce soit plus simple, mais tout simplement eh bien, les Azerothiens fuient leur chère ville, leur ville de cœur évidemment, leur capitale Stormwind qui est en feu et ça marquera profondément les différents Azerothiens, notamment Lothar évidemment puisqu'il était le commandant en chef d'Azeroth et finalement eh bien, c'est un énorme revers qu'il subit lors de ce conflit. Et c'est comme ça que la première guerre se termine. D'ailleurs, leur roi a été assassiné, mais je dirais pas. On va pas suffisamment donner de nom, mais si vous voulez plus de détails là-dessus, il y a la vidéo de Varian pour vraiment avoir le point de vue du côté d'Azeroth et de la première guerre. Donc, à côté de ça, Lothar fuit et c'est tout simplement le roi Terenas Menethil, le père d'Arthas. Mais bon, Arthas est encore un gamin à cette époque-là. Terenas Menethil, le roi de Lordaeron. Lordaeron était tout simplement la nation la plus puissante des humains sur les 7 nations. Je les présenterai après, ne vous en faites pas. Les 7 nations les plus puissantes des humains. Terenas est le chef de Lordaeron puisqu'il est le roi. Et au final, Azeroth était l'une des nations les plus puissantes aussi humaines, mais avec la chute de Stormwind. Eh bien, elle a besoin d'aide et c'est finalement Terenas qui va aider. Alors, il n'a pas aidé lors de la première guerre, puisque Azeroth était en mode « Nous, on est les patrons !» Et finalement, eh bien, quand justement Azeroth s'est rendu compte qu'ils étaient en train de prendre une rouste, il a fait « Ouais, en fait, on a besoin d'aide !» Et les autres ont fait « Bah alors, je croyais que vous étiez les meilleurs. » Dommage. Et au final, il n'y a pas eu d'aide, mais Terenas se rend compte quand même voilà, qu'il doit aider, il aide dans le besoin, il aide les gens dans le besoin, et en l'occurrence, il va accueillir tous les réfugiés de Stormwind dans sa ville de South Shore, donc dans la ville de... J'ai oublié le nom en français, parce que c'est pas Rivage du Sud ou un truc comme ça, c'est un autre nom, mais du coup, c'est South Shore, tout simplement la ville de South Shore. Qui à l'époque, ne vous fiez pas à World of Warcraft, de toute façon elle est totalement détruite dans WoW maintenant, mais à l'époque à WoW Vanilla, par exemple South Shore c'était une toute petite ville avec 2-3 maisons, c'est du World of Warcraft, il faut imaginer une énorme ville portuaire qui est l'un des grands ports à la fois militaires mais même s'il est plus port marchand, port commercial et port de pêche, c'est quand même une grande ville de Lordaeron qui va permettre d'accueillir eh bien, tous les réfugiés d'Azeroth. Donc en l'occurrence, Terenas, il est plutôt cool et c'est justement lui qui va prendre sous son aile le roi, enfin le jeune roi, le jeune prince Anduin, Varian Ruin, pardon, et surtout, il va prendre sous son aile le chef d'Azeroth, en l'occurrence Anduin Lothar. Hein, Lothar qui va arriver à la cour tout simplement du roi Terenas. Alors pour la carte, on va ouvrir ça. Ce qui est important, c'est de bien voir en l'occurrence que donc ils étaient à Stormwind et finalement ils sont repartis, vous voyez, à South Shore au niveau nord de Lordaeron avec donc pour ce qui est de... Enfin, tout simplement, ils vont aller à Lordaeron vers le nord. Donc ils fuient Azeroth, le royaume du sud, pour atteindre Lordaeron, les royaumes du nord. Donc on va y venir juste après, ne vous en faites pas pour les différents royaumes. Mais là, sur la carte, vous pouvez voir donc Stormwind avec... les Azerothiens, le symbole, le lion jaune sur fond bleu. Vous avez la Horde, rouge, hein, ça c'est classique. Kul'Tiras, donc c'est une nation humaine sur, on va dire un peu plus basée sur ce qui est naval, hein, tout simplement. C'est une nation navale vraiment basée sur la marine, etc. Gilneas, j'ai fait une vidéo spéciale sur Gilneas et Greymane évidemment, mais Gilneas, en l'occurrence, donc une nation assez puissante, hein, militairement une nation assez puissante. On a Lordaeron que vous voyez tout en haut avec le L en bleu. L'espèce d'aigle
sur un fond orange, c'est Alterac. Donc c'est une nation, enfin c'est un royaume montagneux, un royaume basé dans les montagnes. Alterac est très connu pour être un endroit où il se passe plein de choses sympas, et on y reviendra bien sûr après. Stromgarde, que vous voyez le point rouge sur fond blanc, donc ça c'est Stromgarde, l'une des nations les plus puissantes des humains. Ça représente un peu Sparte, si vous voulez plus de, que ce soit plus facile à intégrer. C'est un petit peu les Spartiates, on va dire, les Stromgardiens. C'est tout simplement la nation de base qui avait... De toute façon, je ferai une vidéo de généalogie sur les différentes factions humaines. Mais en gros, dites-vous que Stromgarde, c'est un peu le Gondor, si ça peut vous aider, du Seigneur des Anneaux. L'espèce de licorne blanche sur fond bleu que vous voyez en haut à droite, au nord-est, c'est tout simplement les elfes de Kel'Thalas, en l'occurrence donc les hauts elfes. Et l'espèce d'aigle blanc sur fond vert, c'est les Amani, donc les trolls des forêts, menés par Zul'jin, mais on y reviendra par la suite, qui sont en guerre avec les hauts elfes. Du côté de l'est, donc au niveau de Kazmodan, on a le drapeau violet, c'est Gnumregan. Ce sont les gnomes, tout simplement, de Gnumregan, donc Bah, ils apparaissent pas à l'écran normalement puisqu'ils sont tout petits évidemment. À côté de ça, en orange, ce sont les nains d'Ironforge, donc de Forge Fer en français. Et du coup, ce sont les Bronzebeard, donc le clan Bronzebeard, donc les barbes de bronze, qui résident à Ironforge, et leur chef est Magni Bronzebeard. Ensuite, nous avons en vert, avec un double griffon, double tête de griffon, ce sont tout simplement les Wildhammer, donc les marteaux hardis, avec donc le clan Wildhammer qui repose à Kazmodan. Alors, il faut savoir que les Wildhammer sont à deux endroits, à l'est de Kazmodan, mais également tout au nord, un petit peu au sud de la main de Tyr, en fait, hein, tout simplement, puisqu'ils sont dans les Interlands. Donc ça, c'est pour les différentes factions que l'on va aborder par la suite. Donc ça, c'est justement la situation actuelle. Le pillage de Stormwind a eu lieu, Terenas Menethil va accueillir les différents Azerothiens, et va accueillir aussi Anduin Lothar, donc le grand commandant d'Azeroth, ainsi que le jeune prince Varian. Pendant ce temps, bien sûr, Orgrim est victorieux dans sa campagne contre Azeroth, contre le royaume d'Azeroth. Mais il sait que cette victoire, c'est qu'un départ. Comme je vous ai montré, il reste énormément de royaumes humains, ainsi que leurs différents alliés. Et du coup, eh bien, Orgrim sait que ça ne sera pas suffisant s'il veut la paix, puisque maintenant il est le grand chef de la Horde, il est le grand chef des orques, mais il est le chef de tous les orques et tous les ogres, mais il le sait en l'occurrence que ça ne sera pas suffisant, puisque les humains ne laisseront jamais les orques tranquilles après ce qu'ils viennent de faire. Et en l'occurrence, il sait aussi que c'est qu'un jouet des puissances ténébreuses des démons, donc il faut faire quelque chose. Il est un petit peu pris entre le marteau et l'enclume, Orgrim, donc il sait qu'il doit mener la Horde, il veut évidemment que les orques puissent s'installer sur Azeroth, alors là je parle de la planète Azeroth, en paix, puisque Draenor est mourante, leur ville, leur planète natale Draenor est mourante. On y reviendra à Draenor dans la troisième et quatrième partie de ces vidéos sur la deuxième guerre, mais en l'occurrence leur monde est mourant et du coup ils sont obligés de venir ici, habiter Azeroth. Donc ils pourraient rester tranquilles dans les royaumes d'Azeroth du Sud, hein, mais le problème c'est que ça ne fonctionnerait pas, puisque un jour ou l'autre, les humains reviendraient pour récupérer leurs terres. Il le sait pertinemment, Orgrim, c'est quelqu'un de très très intelligent pour un orc, mais c'est quelqu'un de très intelligent tout court, et du coup il sait que ça marchera pas comme ça. Donc il a besoin d'une victoire totale de son peuple contre les humains, sinon ils seront chassés un jour ou l'autre, et il peut pas commencer à construire des villes si derrière ce sera menacé. Donc il veut préparer la suite, il veut être à l'initiative parce qu'il veut pas être défenseur, il veut être attaquant. Et en l'occurrence il a besoin d'alliés pour ce faire, parce qu'il sait très bien que face aux différentes nations humaines ça ne suffira pas, et il sait très bien. Il envoie donc des éclaireurs un peu partout vers le nord pour voir un petit peu la situation, pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe au nord, quelles sont les forces des différents royaumes, etc. Donc ça va être quelque chose de très important. Grande campagne d'éclaireurs, justement pour avoir plus d'infos, donc le savoir c'est le pouvoir, et il veut plein d'informations. Maintenant il sait que Gul'dan est un enfoiré, il sait que Gul'dan est tout simplement le chef, alors on appelle ça le conseil des ombres, c'est-à-dire que c'est un démoniste, et sous ses ordres il a plein de démonistes, y compris Sho'gal, le chef du clan Twilight Hammer. Et du coup, Gul'dan qui est aussi un chef de clan, le clan Stormreaver, alors celui-là je suis désolé mais en français je sais pas ce que c'est, je crois que c'est les... Parce que Storm c'est tempête...
Je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment il s'appelle en français. Bon, c'est pas grave, mais du coup, le clan Stormriver, Gul'dan est chef de clan. Et en l'occurrence, il avait profité du coma de Gul'dan pour tuer Black End. Mais il veut aussi profiter du coma de Gul'dan pour mettre fin aux agissements du Conseil des Ombres et tous les nécrolites orcs et les démonistes orcs. Il veut faire d'une pierre deux coups et casser ça qui pourrait saper son autorité. Donc il veut affaiblir la position de Gul'dan, tout simplement. Pour pas que Gul'dan puisse lui mettre des bâtons dans les roues dans ses plans. Donc Orgrim va justement massacrer les différents membres du Conseil des Ombres. Il va massacrer donc les plus puissants. Cheugal est épargné, mais globalement, parce qu'il sait que c'est un chef de clan et du coup il veut garder l'autorité de Cheugal et de son clan. Mais il va massacrer tous les autres du Conseil des Ombres, sachant que ça c'est la difficulté pour Gul'dan. Et quand Gul'dan va se réveiller, il découvre que voilà, le Conseil des Ombres a été massacré. Et il y a Orgrim avec un gros marteau qui arrive devant lui. Il fait alors heureux, non, il lui dit bon, bah c'est simple, t'as deux options, Gul'dan. Soit tu t'inclines devant moi et tu deviens un de mes lieutenants, tout simplement, tu vas me servir, toi tu deviens de mes serviteurs. Soit tu vois là, regarde la tête de Black End là-bas, bah tu finis comme ça. Donc Gul'dan il a pas trop le choix et fait bon, oui mon maître, et il va s'incliner devant la toute puissance d'Orgrim Doomhammer. Et au final, donc Gul'dan va il a pas trop le choix, donc Gul'dan doit aussi proposer son aide à Orgrim, puisque Orgrim lui dit bah écoute, tu dois m'être utile, donc j'ai besoin de force, j'ai besoin d'alliés, qu'est-ce que tu me proposes pour m'aider? Et Gul'dan fait je peux te, maintenant pour remplacer les nécrolites que tu viens de massacrer, je peux peut-être te créer de nouveaux serviteurs plus puissants. Sauf qu'Orgrim lui dit ouais, mais la magie démoniaque c'est mort de chez mort, plus de magie démoniaque. Et du coup Gul'dan fait ok bon, si tu veux je peux te proposer de quelque chose. Et du coup il va tout simplement en fait utiliser je vous avais parlé de la chevalerie de Stormwind, la chevalerie d'Azeroth. Il va utiliser les cavaliers, donc les chevaliers morts au champ d'honneur, hein, sur le champ de bataille. Et il va utiliser les âmes de ces nécrolites qu'Orgrim a tués pour lier en fait des âmes de nécrolites orcs, donc de démonistes orcs, avec des corps de chevaliers humains morts au combat. C'est la création des premiers chevaliers de la mort. C'est littéral, hein, ça n'a rien à voir avec les chevaliers de la mort de Ner'zhul, etc. C'est littéral. Des chevaliers et des morts. Fusion, chevaliers de la mort. Donc, en fait, au niveau de l'apparence, c'est simple. Ça ressemble à des Nazgûl, en fait. Hein. Ça ressemble énormément à des Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Dans l'idée, c'est ça. Donc, c'est quoi? Ils vont utiliser les pouvoirs de la... Ils vont utiliser des pouvoirs plutôt morts-vivants. Et donc... Là, on voit leur chef, le chef des Chevaliers de la Mort. Bon, le chef, c'est Gul'dan, mais le bras droit de Gul'dan, c'est Theron Gorfind. Theron Gor, tout simplement, qui est le chef des Chevaliers de la Mort. Un petit peu le roi sorcier, on va dire, du Seigneur des Anneaux. Et au final, eh bien, en face, on voit d'ailleurs autre chose, mais je vais en parler juste après. Et donc, Theron Gor devient un des bras droits. Parce que le bras droit de Gul'dan, c'est Cheugal, mais il a un autre lieutenant qui est Theron Gorfind. Et... Orgrim se dit, bah voilà, ça c'est des êtres très puissants, on les utilisera à bon escient. Donc ça, Gul'dan va continuer ses rituels et essayer d'en ramener le plus possible. Ce que Gul'dan cache à Orgrim, c'est que les âmes qu'il a utilisées pour faire les chevaliers de la mort, c'est les âmes de ses propres nécrolites orcs, les anciens membres du Conseil des Ombres. Donc il y a encore ce jeu de pouvoir entre Gul'dan et Orgrim, un petit peu comme il y avait entre Gul'dan et Blacken. Et du coup, il cache tout ça. Sachant qu'il reste encore quelques nécrolites orcs, quelques démonistes orcs, mais ils sont vraiment pas puissants. Orgrim sait qu'il leur causera pas grand chose. Et au final, donc il reste quelques démonistes nécrolites qui, pour la plupart, sont soit dans le clan Twilight Hammer, soit dans le clan Stormriver. Les deux grands clans démonistes, on va dire. Mais attention, démonistes, c'est pas forcément que des utilisateurs de la magie démoniaque. C'est pour ça que je parle de nécrolites aussi, c'est des sorciers sombres, on va dire, des sombres sorciers. Donc en l'occurrence, qui utilisent la magie noire. Donc Gul'dan a offert son aide, mais du côté de l'Alliance il se passe aussi autre chose, puisque Lothar va narrer tout ce qui s'est passé en Azeroth, et bien un autre ordre va émerger, c'est tout simplement l'ordre des Paladins. C'est là où les Paladins vont être créés, la Main d'Argent va être fondée à cette époque, c'est-à-dire que les différents prêtres de la lumière des humains ont été complètement... inoffensif lors de la première guerre, puisque bah voilà, c'était des prêtres en toge. Lorsqu'il arrive, il met un gros coup de hache, le prêtre il est coupé en deux, hein, donc c'est pas comme dans vous. Mais pas avec leur bubule, là ils tiennent 5000 de dégâts. Non, en l'occurrence, donc les prêtres ne suffisaient pas pendant la première guerre, ce qui fait qu'ils vont créer un nouvel ordre, donc des chevaliers sacrés. En fait, c'est un mixte entre des chevaliers
et des prêtres. Et ça va, si on fusionne un petit peu les deux, ça va faire des paladins, donc des chevaliers de la lumière en gros. Et donc les cinq, alors j'en avais parlé un petit peu dans l'histoire de Sally Whiteman et de l'ordre des paladins, j'avais commencé un petit peu là-dessus. Mais voilà, donc les plus grands, c'est Turalyon par exemple, Uther, Datromar, j'en oublie un, j'en oublie deux, mais bon l'autre c'est volontaire. J'ai oublié, mais je vous laisse aller voir la vidéo de Sally si vous voulez plus de détails là-dessus. Mais en gros, il y a l'ordre des paladins. Retenez quand même deux noms, Uther et surtout Turalyon. Turalyon qui sera le second en chef de l'Alliance, le second commandant. Et Turalyon, on va y revenir juste après. Donc ça, c'est au niveau de l'Alliance et de la Horde. Mais pour la Horde, c'est pas tout. Certains autres vont venir, puisque je rappelle qu'Orgrim a besoin d'alliés, et certains vont rejoindre Orgrim de plein gré, avec, enfin ils vont tous rejoindre d'ailleurs Orgrim de plein gré, bon sauf ceux que j'ai cités, Gul'dan, etc. Mais du coup, il y a des gobelins, donc du cartel, alors c'est Steamwheedle, donc gens de pression en français, le cartel Steamwheedle, qui va vouloir venir aider, parce qu'ils se rendent compte que Orgrim est très puissant, il est très malin aussi, ils veulent pas avoir affaire à des sauvages, mais ils se rendent compte qu'Orgrim est très malin, et qui pourrait gagner une éventuelle guerre. Il a déjà gagné la première guerre, donc pour les gobelins, c'est une occasion peut-être de gagner Mastune. Et du coup, les gobelins, donc un gros cartel, hein, mine de rien, le cartel genre de pression, hein, le cartel Steamwheedle. Et du coup, alors je rappelle que pour ceux qui ne savent pas forcément, le cartel donc Steamwheedle, c'est ceux qui contrôlent Cabestan, ceux qui contrôlent donc le sud avec Baie du Butin, etc. Donc c'est vraiment un des plus gros cartels gobelins. Et au final d'ailleurs, il est fort probable que Gazleux ait fait la deuxième guerre, ce qui expliquerait pourquoi Gazleux a rejoint la Horde lors de la troisième guerre. Ça c'était une petite parenthèse. Mais du coup, le cartel gobelin va offrir son aide, Orgrim est très content de les accueillir, ils pourront partager les richesses ensemble, et les gobelins vont servir d'ingénieurs en chef, et tout simplement servir d'ingénieurs en chef, et ils vont énormément aider la Horde au niveau des éclaireurs, puisque il va y avoir des éplins gobelins qui vont être construits, ces éplins serviront à collecter des informations qui permettront à Orgrim d'agir en conséquence et de bouger. Ça va être une des clés d'ailleurs dans la victoire d'Orgrim, mais en plus de ça, les gobelins vont aider tout simplement à la création de bateaux, d'armes à feu, etc., de canons pour les troupes d'Orgrim. En l'occurrence, donc, notre aide sans précédent va arriver pour soutenir la Horde, c'est les trolls des forêts, les Amani. Donc je rappelle les trolls des forêts, je vous laisse aller voir la vidéo sur Zul'jin si vous voulez plus de détails sur les trolls, mais les trolls des forêts, donc qu'on va dire tout simplement Amani, puisque l'ancien empire Amani, c'était les trolls des forêts, donc on appelle ça les Amani. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, la vidéo sur Zul'jin. Mais du coup, les trolls arrivent et vont demander à Orgrim d'aider justement les trolls, puisque il y a eu des informations. Déjà Orgrim avait eu des informations et collecté plusieurs infos, notamment le fait que les trolls étaient en guerre contre les hauts elfes, qui sont proches des humains, donc il a besoin d'aide et il se dit qu'il pourrait peut-être utiliser l'ennemi de mon ennemi et mon ami en fait, hein, tout simplement. Et en l'occurrence, il se dit peut-être que les trolls pourraient m'aider. Les trolls vont venir également à Orgrim en disant bon voilà, notre chef Zul'jin, le grand chef de guerre de tous les trolls à Mani, a été capturé par l'Alliance, par les humains, parce que c'est pas encore l'Alliance. Nous avons besoin d'aide et on doit le libérer. Orgrim profite de ça et on dit ok, écoutez, donc il y a quelques tribus trolls qui déjà rejoignent la Horde de leur plein gré, et au final, ils disent écoutez, on vous rejoint si vous libérez notre chef. Alors Grimm, lui, il se voit d'une pierre deux coups. Il peut frapper un petit peu, il peut faire le premier sang, on va dire, contre les humains. Mais en plus de ça, il peut avoir des précieux alliés, puisque les trolls des forêts sont de féroces combattants. Ce sont également de super charpentiers pour construire des bateaux, etc. C'est plutôt cool. Et à côté de ça, il pourrait récupérer de l'aide de tous les trolls des forêts. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de trolls des forêts. Il y a plein de tribus. Et Zul'jin est le grand chef de tous ces trolls. Donc il pourrait avoir une énorme aide dans cette guerre. Donc son plan va être de libérer Zul'jin évidemment pour avoir l'aide. Zul'jin est prisonnier à Crestfall. Crestfall, ce sera un endroit très important de la seconde guerre. Donc Orgrim va devoir libérer Zul'jin afin de récupérer l'aide de tous les trolls. Il a l'aide de quelques tribus pour le moment, mais il veut libérer. Il a l'aide justement que s'il arrive à libérer Zul'jin. Donc certains trolls des forêts vont déjà commencer à aider Orgrim.
Et ça, c'est très important. Alors, juste avant de faire... Parce que là, je sais qu'il commence à y avoir pas mal de factions. On y reviendra juste après. Et au niveau de la carte, bah, les trolls et les gobelins vont aider justement Orgrim à construire une flotte. Et on y reviendra juste après. Dernier point, la reine des dragons, Alexstrasza. J'ai fait une vidéo spéciale sur elle aussi, si vous voulez plus d'informations. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Mais en gros, la reine des dragons rouges, Alexstrasza, va être capturé par l'un des clans orcs, à savoir le clan Dragonmaw, donc les gueules de dragon en français. Donc le clan Dragonmaw, il y a le chef du clan Zulu Head qui en fait a une vision, on y reviendra dans la troisième et quatrième partie, mais en gros la vision n'est pas arrivée de comme ça, c'est quelqu'un qui lui a donné cette vision, mais il a découvert un artefact, grâce à cette vision il découvre un artefact, l'âme du démon, un artefact très puissant qui permet de contrôler les dragons. Et c'est grâce à cet artefact qu'il va pouvoir contrôler la reine des dragons Alexstrasza, l'assujettir hein, tout simplement, donc la rendre esclave de la horde, et qui va lui servir, enfin ils vont leur servir de poule pondeuse, puisqu'Alexstrasza eh bien, va pondre des dragons, et les petits dragonnets vont être élevés par le clan Dragonmaw, et ils vont en faire des bêtes de guerre tout simplement, pour pouvoir eh bien, attaquer depuis les airs les forces de l'Alliance. Donc ça c'est super important, puisque les dragons vont avoir un rôle à prépondérant dans la deuxième guerre, bien entendu. Donc la horde de la deuxième guerre, pour récapituler, donc je mettrai après les logos, ne vous en faites pas, mais les grandes personnalités de cette première, de cette deuxième guerre, vous voyez Zulu Head, donc qui chevauche justement un dragon ici, je viens d'en parler, donc le chef des Dragonmaw, donc les chevaucheurs de dragons. Vous avez Zul'jin, le troll que vous voyez juste à côté, donc le chef de tous les trolls à Mani, les trolls des forêts, qui représente quand même une énorme partie de la horde, évidemment, de la deuxième guerre. Vous voyez, alors l'orque que vous voyez avec sa grande épée, c'est Rain Blackend. Rain Blackend, c'est tout simplement le fils de Blackend, donc le premier chef de guerre. Et au final, eh bien, Orgrim n'a pas tué ses enfants, il n'a pas tué Rain des Maim, il les a laissés en vie. Mais ils ont juré fidélité à Orgrim, hein, face à la puissance d'Orgrim, eh bien, ils ont préféré s'incliner et partager la gloire, on va dire, d'Orgrim. Orgrim Doomhammer, que vous voyez bien entendu au milieu, avec son célèbre marteau, hein, Doomhammer, que vous voyez avec le symbole Blackrock, puisque c'est un orque du clan Blackrock. Kul'dan, que vous voyez juste à côté, qu'on a déjà vu, donc le chef du clan Stormriver est tout simplement eh bien, le grand démoniste orc. Shogal, l'ogre à deux têtes, l'ogre magie à deux têtes que vous voyez au-dessus, donc chef du clan Twilight Hammer. Samuro, même si bon, Samuro n'a pas de rôle véritable à jouer, mais c'est pour représenter le clan Burning Blade, donc les maîtres lames de la lame ardente en français. J'ai une vidéo spéciale sur Samuro, je vous laisse la voir, très intéressante. En plus, les événements de, enfin, ce qui concerne les maîtres lames des Burning Blade est super intéressant. Et enfin, le dernier, c'est Kilrog le borgne, tout simplement, qui est le chef du clan Bleeding Hollow. Donc c'est Kilrog Deadeye, chef du clan Bleeding Hollow, donc l'orbite sanglante, j'en avais parlé juste avant. Donc voilà les grands protagonistes de cette horde des orques de la deuxième guerre. Donc au niveau des drapeaux, pour que ce soit plus simple pour vous, le premier, le clan Blackrock, que vous voyez en rouge et noir avec la montagne. D'ailleurs, en fond, vous voyez Blackrock aussi, puisque c'est le QG, c'est là où Wargrim va commander les forces de la horde pendant la deuxième guerre. En bleu, le clan Stormriver, donc le clan de Gul'dan. En violet, le clan Twilight Hammer, donc le clan de Shogal. En noir, le clan de Blacktooth Grim, donc en français, c'est du Rictus. Du noir Rictus, quelque chose comme ça, il me semble. Donc ça, c'est le clan, en fait, tout simplement. C'est un sous-clan Blackrock. Il faut savoir que c'est le clan Blackrock, c'est une partie du clan Blackrock. C'est tout simplement les fils de Blackend, donc Rend et Maim, qui ont décidé, de faire défection, mais d'avoir... Orgrim leur a promis, en gage de leur loyauté, d'avoir leur propre clan, et tout simplement un clan Blackrock bien à eux, qu'ils dirigent à deux, donc les fils de Blackend, Rain et Maim, qui vont diriger le clan Blacktooth Grim. Ensuite, nous avons en vert, alors ça changera au niveau des couleurs, mais puisqu'ils vont passer de vert à orange par la suite, mais c'est le clan donc Bleeding Hollow que vous voyez au milieu en vert, le clan de Kilrog. En blanc et rouge, vous voyez le clan Dragonmaw, donc les chevaucheurs dragons, pour que ce soit plus simple, de Zulu Head, hein, dans votre tête. Vous avez la lame rouge chez Burning Blade, évidemment, donc le clan de Samuro, même s'il n'y a pas de chef. Le clan Burning Blade est particularité, parce qu'il n'y a pas de chef, même on dira Samuro pour que ce soit plus simple pour vous. Avec les grandes oreilles en vert, vous voyez, c'est le Steam Whiddle, donc le cartel Jean de Pression. Et enfin, tout en bas à droite, le clan de Zul'jin, à savoir toutes les tribus trolls à Mani, sous la coupe de Zul'jin. Donc ça, c'est tous les grands clans de la Horde qui vont participer. Donc voilà, ça sera très important. C'est aussi pour ça que le format YouTube est cool, parce que ça vous permet, voilà, de revenir si jamais vous avez un problème de compréhension. Vous avez tout ça.
Pendant ce temps, évidemment, les humains vont bouger puisqu'il y a Turalyon que je vous ai évoqué juste avant. Donc Turalyon, l'un des paladins, l'un des premiers paladins et l'un des chefs des humains de l'Ordéron, donc va se rendre compte par les récits, les différents récits de Lothar et des autres réfugiés d'Azeroth, les autres Azerothiens, ben il est sensibilisé et se dit oui, les orques c'est une menace considérable, ils ont détruit l'une de nos plus grandes nations. Il faut pas qu'on reste chacun divisé, parce que si on est divisé, les orques vont juste gagner la guerre. Sachant que leur nouveau chef Orgrim semble être plutôt malin, il a réussi à battre Azeroth, il a réussi à battre Lothar. Tout le monde a beaucoup de respect pour Lothar. Il faut vraiment comprendre, si vous voulez comprendre les mécanismes de l'époque en termes de politique, Lothar est un lord, est un grand chevalier. On l'appelle Lord Anduin Lothar. Donc c'est quelqu'un de très très respecté, malgré qu'il ait perdu la première guerre. Il est très très respecté en tant que commandant militaire, etc., par les différentes nations. Donc ils le prennent clairement au sérieux, mais tout le monde n'a pas forcément envie de s'impliquer. Chacun a ses propres politiques. On connaît par exemple la politique de Greymane, hein, la politique de Ghaen Gristet en français, donc de Gil'neas, qui veut plutôt rester dans son coin. Chacun est, on va dire, à ses propres buts. Et finalement, c'est le grand discours passionné de Turalyon qui va convaincre tout le monde qu'une alliance est indispensable si on veut survivre à cette période assez sombre. Et c'est justement l'alliance de l'Ordéron qui va émerger à cette époque. C'est là qu'on va vraiment parler d'alliance. Les 7 nations humaines plus les 2 nations naines et enfin les hauts elfes vont s'allier. Donc comme vous le voyez, je vous ai présenté les orques, c'est le moment présentation pour l'alliance. Je vous ai dit, il y aura beaucoup de monde hein, aujourd'hui. Donc on commence par la gauche avec Aiden Perenold, le roi d'Alterac. Donc un petit, je vous l'ai montré, hein, c'est le de toute façon je vous le remontrerai avec les drapeaux juste après. Donc le roi d'une petite nation humaine, l'une des plus faibles, si, la plus faible même, à savoir Alterac. Vous avez juste à côté en grande avec ses petites oreilles, enfin les grandes oreilles plutôt, Alleria Windrunner, donc qui n'est pas d'ailleurs un chef de faction, contrairement à tous les autres. Alleria Windrunner est l'émissaire de la cour de Kel'Thalas, donc elle est la cour, enfin c'est tout simplement l'envoyé des hauts elfes de Kel'Thalas qui va représenter son peuple à la table justement de l'alliance. Et au final c'est la chef des rangers, donc des rangers de Silvermoon, donc de Lune d'Argent. En l'occurrence c'est tout simplement le corps d'élite d'avant-garde des hauts elfes, tout simplement. Et le chef des forestiers. À côté de ça, vous avez en vert, tout simplement, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais Dailin Pronmor, donc Port-Vaillant en français, Dailin Port-Vaillant, donc le grand amiral de Kul'Tiras, donc le chef de Kul'Tiras, de la nation humaine de Kul'Tiras. Vous avez ensuite Anduin Lothar, que vous voyez avec une belle armure, Anduin Lothar qui est donc tout simplement le tuteur de Varian. Varian Wynne, hein, le petit prince, qui n'est pas encore roi, et du coup il est également le tuteur et le régent d'Azeroth, donc du royaume d'Azeroth. Donc Lothar, hein, qui a déjà eu affaire avec aux orques, donc il est plutôt bien placé. Ensuite vous voyez le roi de Stromgarde, à moitié à poil, bon ça c'est une représentation un peu particulière, mais au moins ça peut vous permettre de comprendre que c'est un peu les Spartiates, c'est un peu les Spartiates humains, c'est tout simplement l'une des nations les plus puissantes humaine, hein, tout simplement. Donc Stromgarde avec leur roi Thoras Trollbane, donc Thoras Fléau des Trolls je crois en français. À côté de ça vous avez donc le roi, donc j'ai déjà évoqué, Terenas Menethil. Bon là il est en vieux, c'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure en jeune, alors c'était une image d'Arthas mais vieilli et qui représentait bien mieux Terenas je pense. Donc Terenas Menethil, le roi de l'Ordéron que j'ai déjà évoqué juste avant. Le nain avec les tatouages bleus façon écossais que vous voyez, c'est tout simplement Curdran Wildhammer, donc le chef du clan Marteau Hardy en français, donc les nains chevaucheurs de Griffon qui seront très très importants dans cette deuxième guerre. Donc Curdran Wildhammer. Ensuite vous voyez le roi que j'ai déjà évoqué, Ghaen Greymane, donc le roi de Gil'neas. J'ai fait une vidéo spéciale sur lui d'ailleurs. Antonidas, le chef du Kirin Tor, donc après Kirin Tor, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a déjà suffisamment de noms. Le chef de Dalaran, la nation ville de magiciens Dalaran. Pour que ce soit simple pour vous dans votre tête, dites-vous que c'est un peu les états pontificaux, c'est un peu la Rome des humains, donc Dalaran. Et enfin le dernier que vous voyez, le roi nain Magni Bronzebeard, qui est tout simplement le roi nain des nains d'Ironforge, donc de Forge de Fer, je l'ai déjà évoqué il me semble. Alors au niveau des drapeaux, au niveau des protagonistes, ça nous fait l'Ordéron en bleu blanc, je l'ai déjà évoqué, hein, de toute façon les différentes factions, donc Stormwind que vous voyez juste après, en fond évidemment la ville de l'Ordéron, capitale de l'Alliance.
et représentant, puisque c'est la nation la plus forte des humains, donc c'est justement l'alliance de Lordaeron, et puis c'est aussi Turalyon qui a fait en sorte que tout le monde se rassemble, et ce sera d'ailleurs Terenas qui deviendra officiellement le chef de l'alliance de Lordaeron, étant donné que Lordaeron est la nation la plus puissante. Donc c'est lui qui est la force politique, le numéro 1 politique de l'alliance de Lordaeron. Mais on verra que le chef militaire, ce n'est pas un Lordaeronné, c'est un Azerothien, puisque ce sera Anduin Lothar qui sera le commandant en chef des forces de l'alliance. Ensuite, donc, le drapeau, le point rouge, Stormguard. En orange, vous voyez Alterac. Ensuite, l'œil blanc, c'est Dalaran. Gilneas juste à côté, vous avez Kul'Tiras enfin avec l'encre tout simplement parce que c'est des marins, hein, Kul'Tiras en vert, Gnome Regan avec les deux clés à molette, vous avez ensuite le marteau d'Ironforge avec la montagne, le clan Wildhammer avec les deux têtes de griffon et un marteau, et enfin la licorne blanche, symbole des hauts elfes, le symbole d'ailleurs des marins hauts elfes que vous retrouvez un petit peu partout d'ailleurs. Donc ça c'est pour les protagonistes de l'Alliance, encore une fois. Kel'Thalas et la licorne. Au final, donc, Lothar devient le haut commandant de l'Alliance, comme je vous l'ai évoqué, donc le grand chef de l'Alliance. Lothar a toute l'expérience et a déjà combattu les orques, c'est pour ça qu'il est le plus à même de contrer la menace de la Horde. Et c'est pour ça qu'il a été... Et puis il est très respecté, encore une fois, il fallait un symbole d'unité, chacun veut un petit peu tirer la couverture vers soi, donc Lothar apparaît... Je veux dire, Lothar est un peu désintéressé, puisque Lothar, lui, il a perdu sa nation, donc c'est celui qui a le plus à même déjà de commander, très très grand chevalier, et en plus de ça, bah, il peut, tout le monde, on va dire que tout le monde est touché par le fait que Lothar ait tout perdu, donc c'est forcément Lothar qui est respecté de tous, qui va pouvoir diriger tout ce beau monde. La carte, très important pour commencer Warcraft 2, de toute façon il va y avoir l'intro pour vous mettre tout ça un petit peu en détail, l'intro a pas mal vieilli mais ne vous en faites pas, donc la carte Orgrim, Doomhammer grâce à l'aide des gobelins et des trolls des forêts, des quelques tribus trolls qui l'ont déjà rejoint, va se mettre en marche puisque tout le monde attend Orgrim qui dirige, je le rappelle, du mont Blackrock que vous voyez tout à l'est, cette immense montagne, cet immense volcan. Tout le monde se dit qu'il va passer par la Terre comme n'importe qui et du coup remonter sur Kazmodan et attaquer les royaumes humains par le sud, par le sud-est. C'est la ligne on va dire de politique que Lothar s'est fixée. Il sait, les orques sont pas forcément des marins, etc. Donc il s'attend tout simplement, et c'est la logique pure, qu'il attaque Kazmodan pour remonter vers le nord. Donc tout le monde s'attend et tout le monde va mobiliser ses forces, notamment Stormguard va mobiliser énormément, quasiment deux tiers de ses forces armées, et va envoyer tout le monde à Dunalgaz, donc au nord de Kazmodan, pour aider les nains sur place. Tout le monde commence à bouger ses troupes, chacun va aider différemment, par exemple les elfes envoient pas tant de troupes que ça, mais beaucoup de marines et beaucoup de matières premières. Les nains vont donner beaucoup de matières premières et vont mettre leurs troupes aussi au sud de Kazmodan en stationnement pour protéger. Et à côté de ça, les elfes et les nains vont envoyer beaucoup de ravitaillement, beaucoup d'armes, d'armures, etc. Excusez-moi. Mais du coup, ils vont envoyer toutes les matières premières pour aider dans l'effort de guerre. Ainsi que, par exemple, Alterac, Gilneas, etc. Chacun envoie des hommes et du matériel. Le truc, c'est qu'Orgrim, je vous l'ai dit, c'est un génie. Militairement, c'est un génie, et martialement, au niveau combat, Orgrim est également très très doué. Et il va surprendre tout le monde, puisqu'il va attendre, il va pas attaquer tout de suite, il va rassembler ses troupes, il va rassembler tout le monde qui vient d'arriver, plus d'ogres, il va faire passer encore plus d'orques et d'ogres depuis la Porte des Ténèbres. Ils vont constituer une énorme force, sauf qu'au lieu de passer par la terre. Alors il met quand même quelques forces vers le nord pour que les éclaireurs nains et les éclaireurs humains se disent oui, il y a bien un rassemblement de troupes qui se fait dans le sud, donc tout le monde se mobilise vers Kazmodan, et Orgrim va attendre l'hiver puisqu'il veut attaquer quand l'ennemi n'est pas forcément préparé, et l'hiver, je rappelle que Warcraft c'est de l'heroic fantasy mais c'est aussi un peu le côté Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, l'hiver, eh bien, on n'a pas forcément les moyens de se défendre parce que tout le monde crève de froid, il faut s'abriter, la nourriture est plus difficile, etc. C'est le moment où, justement, Orgrim veut en profiter pour attaquer. Mais avant, donc, il laisse l'hiver arriver et pendant ce temps, il construit une énorme flotte
grâce justement aux gobelins, aux trolls. Ces orques sont les ouvriers et du coup c'est les gobelins et les trolls des forêts qui sont des super charpentiers qui vont... Alors les gobelins sont les ingénieurs en chef, les trolls sont les charpentiers et ensemble ils vont pouvoir mettre en commun... C'est les orques qui vont être la force ouvrière principale évidemment, et il va construire une immense flotte et on va pouvoir se regarder une petite vidéo justement puisque c'est l'intro de Warcraft 2, c'est comme ça que commence le jeu vidéo. L'armée d'Azeroth, jadis si puissante, gisait parmi les ruines noircies et dévastées du fort de Stormwind. Les rares survivants n'eurent d'autre choix que de fuir au-delà de l'océan majeur, marqués par les terribles souffrances que leur avait infligées la redoutable horde des orques. Pressés de guerroyer à nouveau, les orques entamèrent promptement la construction d'embarcations afin de franchir l'océan majeur. Brûlant d'ouïr le vacarme des épées qui s'entrechoquent et de voir le sang couler à flot, ils voguèrent bientôt vers de lointains horizons. Les humains appareillés des armes forgées par leurs nouveaux alliés s'apprêtèrent à la hâte pour contrer l'assaut tant redouté. D'aucuns chargèrent les canons des nains, pendant que d'autres s'armèrent d'épées et revêtirent les cottes de mailles fabriquées de mains expertes par les elfes. Unis devant un seul et redoutable ennemi, les humains et leurs nouveaux alliés attendirent vaillamment sur la rive de la destinée, la déferlante vague des ténèbres. Voilà, cette vidéo a pas mal vieilli, mais elle est quand même toujours aussi belle. Enfin, toujours aussi belle. Par rapport à l'époque, c'était superbe, c'était des cinématiques Blizzard, hein. Même à l'époque c'était très joli, et c'est surtout, moi ce que j'aime, c'est surtout l'ambiance avec la musique qui a pas vieilli d'un pouce, et au niveau le narrateur a une voix absolument extraordinaire. Et du coup, ça vous montre justement que voilà, la Horde, donc vous avez vu que 6 ans se sont écoulés quand même entre la première guerre et le début de la deuxième, hein. Il s'est passé quand même pas mal de temps, mais c'était justement ces 6 années qui ont permis de constituer une immense flotte pour la Horde, commencer les préparatifs d'invasion. Et l'Alliance est complètement surprise du choix qu'a fait Orgrim, à savoir d'attaquer par la mer. Le premier mouvement, évidemment, il a des promesses à tenir. Le premier mouvement que la Horde va accomplir, c'est tout simplement aller à Crestfall. Je vous en avais parlé, j'avais dit attention, il va falloir retenir ce nom, puisque Crestfall, c'est une île assez grosse, mine de rien, une île qui est sous la responsabilité à la fois de Kul Tiras et Stromgarde. L'île est un peu, c'est un peu le bordel, Crestfall. Ça a été tour à tour à Kul Tiras, ensuite à Stromgarde, etc. Et au final, alors je sais plus exactement au début de la deuxième guerre, là-dessus j'ai pas vérifié, mais je voulais pas rentrer trop dans le détail, je ne sais plus à qui elle est aux ordres, mais de toute façon c'est pas grave, puisque Crestfall va être attaqué par la Horde, afin bien évidemment de libérer le chef troll des forêts, à savoir Zul'jin, qui a été capturé par les humains. Et du coup, eh bien, Orgrim va justement libérer Zul'jin, il rencontre directement Zul'jin, donc il prend part à la bataille, et il va libérer Zul'jin, et finalement le chef troll voit en Orgrim quelqu'un de très puissant, il respecte tout de suite Orgrim, bah, déjà de l'avoir libéré, mais en parlant un petit peu avec Orgrim, il se rend compte qu'il a affaire à quelqu'un de très intelligent et de quelqu'un de très fort, et qui vient de tenir sa promesse à son peuple, puisque certains trolls des forêts avaient demandé de l'aide pour libérer Zul'jin. Donc il a tenu parole, donc ça c'est très important pour les trolls, il a tenu parole Orgrim. Et donc Zul'jin et Orgrim déjà vont se lier d'amitié à ce moment-là, et Zul'jin fait une promesse à Orgrim, c'est justement de rejoindre la Horde et de faire rejoindre tous les trolls des forêts qui vont maintenant combattre pour la Horde. Et ça, c'est un serment d'amitié et un serment de fidélité qui sera très important pendant la Seconde Guerre, puisque justement, eh bien, les trolls vont considérablement renforcer la Horde, que ce soit en troupes, mais ça va être également de très bons éclaireurs, puisque bah, voilà, ils connaissent très bien les forêts, etc. Donc pour tendre des embuscades à l'Alliance, pour récolter des informations, pour permettre à Orgrim d'agir en conséquence, hein. Je rappelle que c'est un stratège, donc faire ses plans de bataille et d'attaque.
mais également eh bien, d'être des super charpentiers. Je rappelle que les trolls à Manie vivent dans les forêts, construisent tout en bois, et du coup ce sont des excellents charpentiers pour la marine de la Horde. Donc à la base, bon, ce qui manque juste un petit peu au niveau des orcs trolls, c'est... Alors ils ont tout le matos pour pouvoir se faire des super bateaux, mais c'est pas les orcs à la base sont pas forcément des grands navigateurs, donc les trolls vont considérablement aider ça dans la guerre contre l'Alliance justement. Donc les trolls des forêts vont aider à Crestfall, l'île justement. Ils ont battu les humains et ils vont se servir, donc je vais remettre la carte pour que ce soit peut-être plus vite, plus simple pour vous. Donc vous voyez qu'à côté de Crestfall il y a une île qui appartient aux trolls des forêts justement, c'est Zuldar, et c'est d'ailleurs pour ça que on vous a mis une petite bannière des trolls des forêts. Zuldar, ça va être un endroit, donc Crestfall et Zuldar vont être des endroits très importants stratégiquement pour la Horde, puisque ça va être leur pied à terre et tout simplement ça va servir de base d'opération pour la Horde pour lancer leurs attaques un peu partout. La première politique commence, on va pouvoir le montrer, mais les trolls vont construire en fait des grands chantiers navals. Et tout simplement, le résultat, c'est que la Horde va se doter d'encore plus de vaisseaux avec des canons, etc., des frégates trolls, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Et les batailles navales vont commencer, évidemment, entre la Horde et l'Alliance, avec énormément de conflits, et c'est des batailles très très dures. Évidemment, la flotte de l'Alliance est principalement composée de Kul Tiras, la nation maritime, mais alors attention, il n'y a pas que Kul Tiras. Évidemment, Kul Tiras, c'est la plus grande flotte de l'Alliance, c'est ceux qui ont le plus de bateaux, c'est une nation insulaire, donc c'est une nation maritime, tout est ouvert sur les bateaux, etc. Donc, Kul Tiras a la plus grande flotte, mais ce n'est pas la seule. Lord Eron a une grande flotte, Azeroth, je rappelle, est parti avec tous ses bateaux, donc Azeroth aussi a une flotte, et d'ailleurs c'était eux qui aussi étaient un petit peu gravités autour de Zuldar et de Crestfall. Du coup, il y a les bateaux du royaume d'Azeroth, les bateaux de Lord Eron, les bateaux de Gilneas, les bateaux de Stormguard, la flotte de Stormguard, et enfin, bah, bien sûr, la flotte de Kul Tiras. C'est les 5 grandes flottes qui sont renforcées par la flotte également de Kel'Thalas, à savoir les hauts elfes. Donc, il va y avoir plein de batailles navales qui vont apparaître un peu partout. Nous, on va suivre. Il faut imaginer que la deuxième guerre, elle dure des années. Et la deuxième guerre, c'est très long. Et du coup, il y a eu plein de batailles navales. Évidemment, l'Alliance va en gagner certaines. Mais dans l'ensemble, c'est l'effet de surprise qui joue pour la Horde. Les humains ne savent pas forcément où vont les orques. Et Orgrim va justement alimenter énormément cet objectif. Puisque, eh bien, les batailles navales vont éclater un peu partout sur les côtes de Lord Eron et de Kul Tiras. Mais Orgrim va pas se contenter de ça, il va tout simplement lancer différents raids pour piller les richesses. Alors ça a plusieurs objectifs. Il veut tout simplement donc envoyer des pillards orcs, récupérer les ressources, récupérer de l'argent, récupérer des matières premières un peu partout sur les côtes donc de Lord Eron. Alors je parle du continent de Lord Eron, pas du royaume mais le continent de Lord Eron. Donc il va harceler la côte de Gilneas, il va harceler la côte de Lord Eron, donc South Shore, etc. Il va harceler également Kul Tiras, et pour récupérer plein d'infos, en fait, il mène un petit peu la discorde, et il veut tout simplement créer cette confusion chez l'Alliance en attaquant un peu partout. Attaque très rapide, un peu à l'image des Vikings, hein. De toute façon, les orques ont souvent été un petit peu considérés comme les uns de l'univers de Warhammer, de Warcraft, pardon, lapsus, et tout simplement, là, l'idée, c'est un peu viking, c'est une stratégie viking, on arrive avec nos bateaux, on pille sur place, et au moment où l'Alliance envoie ses troupes, c'est trop tard, on est déjà reparti. Plein de raids comme ça, récupère des richesses, on met un climat de terreur et de confusion. Et Gilneas, Lord Eron et Kul Tiras vont profondément souffrir de ces attaques. Le principe, c'est aussi, voilà, encore une fois, stratégiquement, c'est de cacher le véritable but de la Horde. La Horde va finalement... Alors, je vais vous mettre la map pour que ce soit plus simple. Mais la Horde donc, entretient un petit peu la confusion et va finalement débarquer à South Shore. Donc, vous voyez, c'est tout simplement un des endroits clés et stratégiques de l'Alliance. C'est là où ils avaient accueilli les réfugiés d'Azeroth. Et au final, la Horde débarque au niveau de South Shore et va attaquer, va mettre à feu et à sang le bassin d'Arati, qui sera l'un des endroits de guerre les plus importants de la deuxième guerre et également de la troisième d'ailleurs. Mais du coup, le premier conflit en Arati éclate. Orgrim veut attirer les troupes de l'Alliance à l'ouest. L'effet de surprise commence à s'estomper, il a attaqué un peu partout. A la base, l'Alliance pensait qu'il allait passer par Kazmodan. Finalement, c'est une attaque maritime, personne ne s'attendait à ce qu'il fasse ça. C'est l'hiver également, donc le temps que les troupes de l'Alliance se coordonnent, etc. C'est le bordel. Donc il en profite énormément et il veut attirer l'attention de l'Alliance vers les côtes justement de South Shore, donc les côtes ouest, je dirais, de Lord Eron. Ça, c'est super important. Scorgrim, c'est un cerveau, c'est un stratège, encore une fois.
Donc le but, c'est d'attirer tout le monde vers l'ouest pour finalement attaquer la cible que l'Alliance pensait première, à savoir Kazmodan. Et pour ce faire, il va s'attaquer à l'île de Tol Barad. Tol Barad, c'est une île donc, qui appartient à Stromgarde, que vous voyez ici, donc les soldats de Stromgarde, qui sont tout simplement l'un des piliers de l'Alliance. Hein. Stromgarde, c'est un des piliers de l'Alliance en termes de force. Ils ont quand même une belle flotte, mais surtout la grande force de Stromgarde, c'est leurs soldats, qui valent facilement 1 à 3 soldats de l'Ordéron ou d'Azeroth. C'est vraiment les Spartiates. Il faut vraiment imaginer les Spartiates de l'univers de Warcraft. Et en l'occurrence, donc, en tant que soldat d'élite, Orgrim veut les mettre hors d'état de nuire et va d'abord attaquer Tol Barad. Donc continuant les raids un petit peu vers l'ouest en même temps, la confusion, encore une fois, est à l'ouest et va en profiter pour aller à l'est et attaquer donc Tol Barad. Également un endroit clé pour se diriger par la suite vers Kazmodan. Je vous remets la carte pour que ce soit plus simple pour vous. Tol Barad, vous voyez, c'est l'île avec le point rouge, hein, c'est une île qui appartient à Stromgarde. Donc il a foutu toute la confusion au niveau d'Ilsbrad et de South Shore. Et finalement, eh bien, il va attaquer par la suite. Donc il a fragilisé, voilà, je vous mets la carte à jour, il a fragilisé les positions de l'Alliance au niveau du sud-ouest. Il attaque Tol Barad, il met à sac l'île. Et finalement, eh bien, il va débarquer ses troupes à Kazmodan, à l'endroit qui plus tard sera appelé comme le port de Ménéthil, donc au niveau des Palins, et il va envoyer ses troupes ici, sauf que pendant ce temps, les autres orques qu'il avait maintenus au sud, donc au niveau de Blackrock, il avait maintenu des armées à cet endroit-là, et ça va être une attaque sur double front, à la fois maritime et à la fois terrestre. Les troupes de Kazmodan, qui avaient envoyé finalement des renforts à l'ouest en se disant que l'Alliance allait être attaquée par finalement la mer, Orgrim les surprend une nouvelle fois en attaquant depuis la mer et depuis la terre. Kazmodan, il avait appâté évidemment les forces humaines au niveau d'Ilsbrad et South Shore. Mais pendant ce temps, c'est Kazmodan qui prend la vague de plein fouet. Ironforge et Gnomeregan sont assiégés par la Horde. Et finalement, alors au passage pour la petite anecdote, le sac de Tol Barad est fait par le clan Blacktooth Grim, donc les enfants de Blacken. Et finalement, le débarquement se fait, Kazmodan est complètement ravagé. Le truc, c'est une grande victoire pour la Horde. Le souci, c'est que le siège d'Ironforge et de Gnomeregan, qui devait être rapide, ça se passe pas comme ça. On connaît la force des nains. Les nains, leur capacité, c'est tenir la position. Ils sont vaillants, ces petits gars-là. Et au final, bah, Ironforge, on la prend pas facilement. Magni va être excellent. Les forces naines ont été complètement décimées en dehors des villes. Mais à Ironforge et à Gnomeregan, les nains et les gnomes tiennent très très bien. Les gnomes avec leurs différentes inventions qui, en fait, ça met un arrêt total à la Horde qui ne peut pas continuer. Orgrim sait qu'il doit justement jouer sur l'effet de surprise à chaque fois. Il a l'initiative des attaques, il profite de l'hiver également. Alors l'hiver ne touche... l'hiver concerne l'Ordéron. De toute façon, c'est dans les montagnes, Ironforge, donc ça change pas grand-chose. Mais pour que vous compreniez bien, lui, il veut profiter des effets de surprise. Il n'arrête pas de tromper l'Alliance qui se dit « Ok, ils attaquent là, finalement, nous, on attaque là, etc. » Donc, il ne peut pas se permettre d'attendre au niveau d'Ironforge. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va laisser un clan stabiliser la région et tout simplement s'établir devant Ironforge et devant Gnomeregan et assiéger la ville. Donc, au lieu d'avoir toutes ses troupes cantonnées ici, il laisse un seul clan, le clan Bleeding Hollow, donc le clan de Kilrog, vous savez, l'œil en moins, le Borgne. Le Jean-Marie Le Pen des Orcs, non pas du tout, pardon. Mais du coup, il va les laisser mettre tenir en échec tout simplement les nains et les gnomes, tout en récupérant les ressources. Il veut piller la région de Kazmodan qui est très très riche. C'est les nains, hein, ils ont beaucoup beaucoup de matières premières. Et il veut en profiter pour agrandir son armada. Mine de rien, la flotte orc a quand même subi des pertes sur Kul'Tiras, etc. La marine de Kul'Tiras, la marine de Stromgarde, est pas non plus ridicule. Il faut imaginer qu'il y a plein de batailles en même temps, donc forcément il y a eu des pertes. Donc il veut renforcer sa flotte et il va se servir des ressources de Kazmodan pour reconstruire son armée. Mais en l'occurrence, c'est pas terminé, puisqu'au niveau de Kazmodan, il y avait des troupes de Stormguard qui avaient été envoyées, hein, je vous le rappelle juste avant, j'en avais parlé, notamment Danath Trollbane. Donc Danath Trollbane, c'est tout simplement un des plus grands guerriers de Stromgarde, un des héros de Stromgarde et qui fait partie de la lignée royale de Stromgarde. Et du coup, Danath, bon, c'est pas le numéro 1 dans la file de succession, mais c'est tout simplement un des grands chefs de Stromgarde et surtout un héros de guerre. Danath, on va dire, est l'un des chefs justement de l'Alliance à cet endroit-là.
Mais évidemment, comme ils avaient envoyé toutes les troupes quasiment vers l'ouest, ils en avaient gardé, hein, mais pas suffisamment pour endiguer le flot orc, troll, etc., ogre, du coup, à Kazmodan. Ils vont devoir abandonner leur position, ce qui fait... Alors, je vais vous montrer la map, ce qui fait que nous avons bien une victoire totale de la Horde en Kazmodan, mais il y a quand même le clan Bleeding Hollow qui doit rester au niveau d'Ironforge et Gnomeregan pour les empêcher de sortir, pour empêcher les nains de sortir. Donc, il maintient le siège, comme ça, il met en échec les nains et les gnomes qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc au niveau de Kazmodan, c'est la victoire lors de la perte de Donalgaz. Les humains de Stormguard sont obligés de se replier. Et au final, vous voyez le viaduc au niveau de Dunmodre, vous voyez le viaduc de Tandol. Donc qui va être coupé par les... En fait, les ponts vont être détruits pour pas que les orques puissent les suivre. Donc ça, ça va être très important. Stormguard maintient le cap au niveau du sud. Danath, etc. reste au niveau de Dunmodre pour, avec certains nains, pour défendre justement la position. La plupart des réfugiés de Kazmodan, tout le monde n'a pas pu rentrer à Ironforge et à Gnomeregan pour se bloquer. Donc certains nains sont remontés justement à Dunmodre, qui est une ville naine d'ailleurs. Hein. Et puis d'autres sont dans les Interlands pour avoir l'aide bien sûr des marteaux hardis, hein, des Wildhammer. Donc Stormguard est un petit peu coupé en deux à ce moment-là, c'est très important, puisque y a des forces qui sont encore à l'ouest et d'autres qui ont été ravagées à l'est. Pendant ce temps, les dragons rouges qui sont enfin un petit peu prêts au combat, parce qu'il fallait les élever, etc. Les dragons rouges sont... Alors c'est des jeunes dragons rouges, hein, que, que le clan Dragonmo chevauche. Et les chevaucheurs de dragons, eh bien, vont pouvoir envoyer les dragons, brûler la plupart des flottes de Kul'Tiras. Et c'est notamment Kul'Tiras qui va en prendre plein la tronche, parce que Orgrim a besoin de temps. Il faut retarder justement l'avancée des troupes de l'Alliance, de l'avancée des flottes. Il a besoin de son front stabilisé sur l'Est et l'Ouest. Donc... Il doit maintenir les forces de l'Alliance au niveau d'Arati tout en attaquant à l'est. Donc les dragons vont avoir un rôle très important ici pour bloquer un éventuel. Parce que Lothar va évidemment essayer de couper les orques en deux. Maintenant, qui sait qu'ils ont pris le contrôle de Kazmodan. Il y a deux fronts orques. Donc s'il y a deux fronts comme ça, s'il arrive à regagner le contrôle des mers, il pourrait couper la horde des orques en deux. Et c'est là où les dragons vont avoir un rôle très important, puisque la plupart des dragons vont être envoyés pour brûler les flottes de Kul'Tiras qui étaient là pour essayer de casser le blocus. Ce qui permet du coup à Orgrim de contrôler toujours les mers et de mettre en échec Kul'Tiras. D'ailleurs, c'est dans ces batailles-là très très sanglantes, ou je dirais plutôt très brûlantes, que Kul'Tiras va perdre énormément de navires, une grande partie de ses flottes incendiées. Et c'est le moment où il y a un énorme coup qui va arriver, puisque Daelin Port-Vaillant, hein, en français, Daelin Pronmore, le grand amiral en chef de Kul'Tiras, va perdre l'un de ses enfants, son héritier direct, à savoir Derek, son fils aîné, qui va cramer, qui va brûler, hein, puisque je rappelle que le souffle des dragons, ça brûle, hein, petit clin d'œil. Les dragons, le souffle des dragons, ça brûle, hein, ça régénère pas. Donc, les mecs se font cramer, et en l'occurrence, Derek est brûlé vif, et la plupart des navires vont couler avec leurs pauvres marins. Tout le monde va tomber... Enfin, toute la flotte va... Enfin, pas toutes les flottes, hein, bien sûr, mais la plupart des flottes vont être brûlées. Et Derek qui trouve la mort. On va pouvoir ouvrir la carte, puisque justement... Alors, j'ai zoomé un petit peu pour pas spoiler la suite. Mais en gros, donc, une fois que le contrôle de Kazmodan a été effectif, la Horde va aller au port de Menethil. Et c'est justement... C'est marrant parce que maintenant, c'est un port de l'Alliance, mais à l'époque... Bah, c'était un port orc, hein. Les orques ont justement bâti au port de Menethil, qui s'appelait pas Port Menethil, mais à l'époque il n'y a pas de nom, et c'est là où ils vont construire, ils vont faire un chantier naval très important pour utiliser les ressources de Kazmodan pour se refaire des bateaux. Il y en a toujours bien sûr en Crestfall et en Zul'dar, mais Menethil va devenir un endroit très important, et c'est de là que la flotte orque va repartir pour attaquer les moulins de Taren, à savoir donc l'est d'Arati, au niveau, donc vous voyez ça au shore, au niveau de Taren Mill, enfin les Taren Mill, donc les moulins de Taren, pour y établir une base d'opération. Et là c'est très important, puisque c'est de là que il va y avoir la nouvelle attaque contre Stormguard. Donc encore une fois, double front. Bon, je rappelle qu'il y a toujours ceux qui stabilisent sont en Arati, mais à côté de ça, on va se servir des moulins de Taren comme base d'opération pour attaquer Stormguard par deux points. Alors les ponts ont été coupés, mais les orques arrivent quand même arrivent à trouver des moyens pour traverser pour atteindre Dunmodre. Mais au final, c'est surtout la flotte de Stormguard qui va être d'abord incendiée au niveau des moulins de Taren. Et devant Stormguard. Stormguard est une... Alors, à Arati déjà, les batailles contre la bataille continue. C'est un peu les ténèbres contre la lumière, puisque les chevaliers de la mort vont agir pour la première fois à cet endroit-là, contre les paladins. Donc les paladins sont appelés surtout à défendre les moulins de Taren.
et cet endroit là. Mais pour les orques, de toute façon, c'est juste gagner du temps, puisque derrière, comme dit précédemment, Stromgarde, c'est une ville très très importante pour l'Alliance. C'est l'un des cœurs, enfin c'est le cœur, le berceau un petit peu des humains. Et c'est une ville stratégique très importante pour l'Alliance. Donc devant justement les... parce que c'est une ville portuaire, hein, je rappelle, Stromgarde, eh bien ils vont... la flotte de Stromgarde va être complètement brûlée lors d'une bataille navale très importante. Et finalement, eh bien Stromgarde va être pillée et assiégée. Enfin, assiégé, pillé et brûlé, puisque les forces de Stromgarde étaient encore bloquées à Dunmodre. Ils vont être coupés en deux, la flotte va être cramée devant, devant leur propre ville, et finalement, eh bien... alors, ils mettent pas à ça qu'ils récupèrent pas la ville. C'est juste qu'elle va brûler, ils vont l'incendier, mais ils vont pas prendre le contrôle de Stromgarde. Ils vont juste la cramer, et Stromgarde, du coup, eh bien, sera en ruine à l'issue de la deuxième guerre. Elle sera reconstruite en partie, mais par la suite, mais... Stromgarde est perdu lors de la deuxième guerre. Ce qui est très important, c'est que les orques en profitent eh bien, pour aller plus loin. Ils vont en profiter pour aller plus loin et remonter le fleuve. Alors, si vous cherchez un fleuve d'en haut, vous serez déçu parce que c'est une petite rivière. Mais il faut imaginer qu'à l'époque, eh bien, les orques ont remonté le fleuve avec toute leur flotte. Hein, donc, voilà, des fois la taille, l'échelle, tout ça, cohérence, blablabla. Hein. Mais du coup, les orques vont en profiter pour remonter le fleuve. Pas loin de Stromgarde, donc au niveau d'Arati, c'est Arati et j'ai oublié le nom, mais enfin bon, le grand fleuve ici, pour arriver justement au niveau du lac d'Aromer, donc l'immense lac, l'un des plus grands lacs d'ailleurs de Warcraft, avec eh bien, en son sein l'île de Kaer Darrow, qui est tout simplement une forteresse, qui est une forteresse humaine. Ce qui est très important à ce niveau là, c'est que les orques, en remontant le fleuve, encore une fois il y a vraiment l'inspiration viking, bah, ils s'en profitent aussi pour piller tous les petits villages etc. qui sont sur la rive, et continuer à récupérer des richesses qui peuvent servir pour l'effort de guerre, bien entendu, récupérer des mercenaires, tout ça. Donc ils vont aller sur Kaer Darrow et ils vont attaquer la ville de Kaer Darrow avec leur flotte et finalement détruire Kaer Darrow, prendre le contrôle de Kaer Darrow. La forteresse humaine va être pillée et rasée, en partie hein, bien sûr, c'est d'ailleurs encore des ruines à l'heure actuelle. Et du coup, ce qui est très important, c'est qu'avec justement Kaer Darrow qui est détruite, il y a Gul'dan en profite pour proposer son aide. Il veut affaiblir les défenses, bien sûr, de l'Alliance, et certaines défenses, puisqu'on est au niveau donc, du nord-est de l'Ordéron, je vais remettre une carte après, ne vous en faites pas, mais à cet endroit-là, il y a des pierres runiques elfiques. C'est l'entrée du royaume des elfes de Kel'Thalas. Du coup, il y a plein de pierres runiques de magiques qui permettent de défendre le royaume de Kel'Thalas. Gul'dan va en profiter pour changer l'utilité de ces pierres magiques, qui sont des pierres gardiennes du royaume de Kel'Thalas, pour récupérer le pouvoir. Alors lui, il peut se renforcer aussi, hein, parce que il fait jamais ça par bonté de cœur, évidemment, Gul'dan, et pour essayer de montrer qu'il est fidèle à Orgrim. Mais en plus de ça, il veut renforcer les ogres présents dans l'armée, et il va créer les ogres magie en se servant de ces pierres de pouvoir qui sont présentes un petit peu au nord de Kaer Darrow, et qui sont également présentes devant Kel'Thalas. Donc il va servir de ces pierres runiques pour renforcer les ogres, et c'est de là que vont naître les ogres magie. Parce que les premiers des ogres magie, enfin il y en avait quelques-uns, mais là, à l'époque, les ogres magie, ils étaient peu. Avec ça, avec ce pouvoir, ils créent artificiellement plus d'ogres magie qui vont pouvoir renforcer l'effort de guerre, évidemment, pour la Horde. Les ogres magie vont être utilisés dans leur première guerre, sur le... alors, je rappelle que Daromer, c'est un énorme lac, et sur le côté de Daromer, il y a différents villages qui gardent ce qu'on appelle la baie de Tyr, donc pas loin de la main de Tyr. Et la baie de Tyr, il y a plusieurs villages, enfin plusieurs villes qui vont être détruites par la Horde. Les ogres magie vont se déchaîner et vont tout détruire. Si bien d'ailleurs que dans World of Warcraft, vous ne trouvez plus rien. Il y a juste un petit bout, il y a une petite maisonnette en ruine et qui représente toute une ville, hein, c'est quand même tout très sympa. Mais du coup, voilà, la main de tir, la baie de tir est contrôlée par la Horde, et ils vont justement en faire une place forte de la Horde. Celle-là, vous ne la retrouverez pas dans vous, par contre. Orgrim Doomhammer apparaît comme le conquérant, il est déjà en train de faire plier l'Alliance qui était bloquée sur l'ouest. Il en profite pour faire le trou à l'est, et il souhaite justement détruire la plus grande place forte humaine au nord-est justement de l'Ordéron, à savoir Stratholme. Stratholme, c'est une position stratégique très importante, militairement, puisque c'est une ville très importante, donc il y a beaucoup de militaires, justement, de casernes militaires, etc. Mais en plus de ça, Stratholme a un port. Un port qui sert justement pour le lac d'Aromer, mais également pour le... alors, faut imaginer qu'en fait, Stratholme, il y a une ouverture sur Daromer et une ouverture vers la mer du Nord. En l'occurrence, c'est une ville maritime aussi, donc c'est comme c'est une ville portuaire, il y a des chantiers navals de guerre, etc. Donc Orgrim veut
prendre, récupérer Stratholme pour la détruire et tout simplement pour bloquer ça pour les humains. Il va y réussir, la ville tombe. Et finalement, alors il en fait pas une place forte, hein. La place forte était au niveau de tir. Et du coup, il va juste détruire Stratholme, faire en sorte qu'il n'y ait plus de bateaux qui peuvent être construits, etc. Sachant que maintenant qu'il a détruit Stratholme, les portes de Kel'Thalas avec les pierres gardiennes qui ont été, subtilisées par Gul'dan, ou en tout cas qui ont été l'énergie des pierres gardiennes qui ont été redirigées pour faire les ogres magie, eh bien les portes de Kel'Thalas sont ouvertes. Et c'est l'occasion bien sûr qu'attendaient Zul'jin et les trolls pour se venger des elfes. Et c'était une des promesses qu'Orgrim avait... est faite à Zul'jin, et bien il va pouvoir encore une fois donner libre cours à la vengeance des trolls qui vont se déchaîner sur Kel'Thalas avec l'aide des orques et des ogres magie. Donc Aleria et les rangers aux elfes. Alors Aleria, je vous rappelle, c'était tout simplement l'émissaire des hauts elfes lors de la création de l'Alliance, et c'est également la chef, je vous l'avais dit, des rangers. Aleria et les différents rangers elfes vont faire de leur possible, vont retarder l'arrivée de la horde, vont... occasionner de lourdes pertes chez la Horde, mais ça va pas suffire à endiguer le flot d'orques, de trolls et d'ogres qui vont finalement eh bien, ravager Kel'Thalas. C'est d'ailleurs, Kel'Thalas sera incendié, les bois, beaucoup de bois de Kel'Thalas seront brûlés, etc. Beaucoup de villes vont tomber sous le contrôle des orques, et c'est d'ailleurs lors de ces différents affrontements que beaucoup de civils elfes vont mourir, notamment le frère cadet d'Aleria Windrunner, donc le frère cadet d'Aleria Sylvanas et... Viriza. C'est tout simplement Lyrath, donc Lyrath Windrunner, donc Lyrath Coursevent, qui va mourir lors de ses assauts orques. Donc faut imaginer, c'est pas Jojo le rigolo, hein. Orgrim, c'est un mec très intelligent, mais les orques, même si c'est l'honneur, tout ça, ils n'hésitent pas à massacrer des enfants et des femmes, hein. Et du coup, il y a plein de civils elfes qui vont mourir dans ces affrontements. Les orques vont les traquer, les trolls vont se faire plaisir aussi, hein, puisqu'il y a cette vengeance, il y a cette haine entre les hauts elfes et les trolls qui continue. Et du coup, eh bien, on massacre au fil de la hache, je dirais, au fil de l'épée. On passe tout le monde. Et il va y avoir... c'est pas rigolo, hein, j'ai eu un petit rictus, mais c'est pas très rigolo. Mais en gros, voilà, la sauvagerie des orques va laisser des traces. Les elfes vont subir un lourd tribut. Après, les elfes avaient aidé l'Alliance, mais ils n'avaient pas envoyé toutes leurs armées. Donc c'est vrai que... il y a un peu le côté, tu t'as pas aidé suffisamment, tiens, bien fait pour ta gueule. Mais les elfes vont en prendre plein la tronche, hein, lors de cette... De toute façon, les elfes vont en prendre plein la tronche dans la deuxième et dans la troisième guerre. Donc finalement, les elfes vont quand même pas perdre toute leur position. Certes, Kel'Thalas est ravagé, mais la capitale, Lune d'Argent, hein, Silvermoon, va tenir bon. Et les elfes vont se rassembler à Silvermoon. Et jamais le siège de Silvermoon ne sera victorieux pour la Horde. Ils vont être bloqués au niveau de Silvermoon. Donc Silvermoon tient bon, comme je le disais, mais les elfes sont hors jeu, un petit peu comme les nains et les gnomes. Ils sont bloqués, on va dire, coincés dans leur capitale. Donc Orgrim dit, de toute façon, on n'a pas le temps de faire le siège de Silvermoon et de briser les elfes. Ils sont déjà suffisamment hors course, donc pas de problème. Maintenant, on peut aller attaquer la vraie ville la plus stratégique possible, celle qu'il faut tomber, celle qu'il faut détruire. C'est Lordaeron, la ville de Lordaeron. Je rappelle que Lordaeron, c'est à la fois une ville, un royaume et un sous-continent. Donc là, en l'occurrence, la ville de Lordaeron, donc la capitale de l'Alliance, je le rappelle, politiquement, là où il y a Anduin Lothar, donc le commandant de l'Alliance, qu'il y a Varian Wyn, le jeune prince d'Azeroth, et du coup, le roi Terrenas, ainsi qu'Arthas, etc., et toute la cour de Lordaeron. Donc c'est un endroit stratégique le plus important. C'est le cœur de l'Alliance pendant la Deuxième Guerre. Orgrim veut détruire cette capitale. Il se dit justement qu'avec la chute de Lordaeron, eh bien, l'Alliance tombera facilement. Ensuite, il suffira d'envoyer les armées un peu là où il y a besoin pour finir, par exemple Ironforge, Kel'Thalas, etc. Pas de problème. Donc, pour bloquer, juste pour attaquer, il sait quand même qu'il ne doit pas exposer son arrière aux elfes de Kel'Thalas, donc il va quand même stabiliser, il va laisser aussi des troupes, principalement des Dragonmaw et des trolls Amani qui vont rester sur place pour continuer le siège de Kel'Thalas. On continue justement avec l'attaque donc de Lordaeron, mais on pourrait passer par le haut, par là, j'appellerai ça la trouée de Stratholme, on va dire l'endroit justement qui permet de directement relier Stratholme et Lordaeron. Mais ça, c'était l'attente. Donc la plupart des armées de l'Alliance, maintenant qu'ils savent que Kel'Thalas était ravagé, ils s'attendent à une attaque vers l'ouest, donc ils vont tout simplement stationner leurs troupes dans le nord. Mais c'est pour ça que Orgrim veut appuyer là où ça va faire très mal. Il a encore quelques coups dans sa manche. Alors je vais vous mettre la carte d'abord. Je vais mettre la carte, donc vous voyez le passage où il a remonté le fleuve, hein. Il est passé par Cardaro, on a attaqué la main de Tyr,
on détruit Stratholm et on attaque Kel'Thalas en même temps. Et là où justement l'Alliance s'attend à ce qu'il passe vers le nord, eh bien il va surprendre tout le monde, puisqu'il va passer par les montagnes, et les montagnes d'Alterac. Donc ça c'est très important, puisque il va appuyer, comme je l'ai dit, là où ça fait très mal, et il va viser le royaume le plus faible, donc tout simplement le royaume le plus faible de l'Alliance, à savoir Alterac. Après, quand je dis faible, attention, c'est au niveau de puissance et au niveau... Alterac est un petit royaume, donc ils n'ont pas des milliers de troupes, ils ont pas une, enfin, y a pas de grande flotte. Par exemple, Alterac n'a pas de lien direct sur la mer, donc Alterac utilise souvent des... Alors ils ont des marins, ils ont une marine quand même, mais c'est pas grand chose. Et d'ailleurs, mais le truc c'est qu'ils sont quand même dans la montagne et du coup ils peuvent renforcer leur position. Orgrim du coup va envoyer des émissaires auprès d'Aiden Perenhold, et au final ils vont pouvoir se voir directement. Et Orgrim va dire à Aiden Perenhold, donc le roi d'Alterac, qui va lui dire: écoute mon pépère, t'es le prochain sur ma liste. Et Aiden, il vient de voir que Stromgarde était tombé et a brûlé, il a vu que les flottes de Kil'Thiras avaient été ravagées, il a vu Stratholme tomber, il a vu la main de Tyr tomber, etc., etc. Donc déjà avant même qu'Orgrim arrive, Aiden savait qu'il fallait faire quelque chose. Donc c'est même Aiden qui avait été voir Orgrim et qui lui avait dit: bon bah voilà, il faut que... Est-ce qu'on pourrait trouver un accord? Est-ce qu'on pourrait trouver un accord? Donc Alterac va trahir l'Alliance, va s'allier avec Orgrim. Orgrim de Mamer, lui, lui a promis justement de ne pas toucher Alterac, et une fois que la guerre sera terminée, il pourra continuer à diriger Alterac et laisser régner à Alterac, sans problème. Maintenant, en contrepartie, Alterac doit aider la Horde et rejoindre la Horde, enfin aider la Horde, et également laisser un libre passage dans les montagnes d'Alterac pour pouvoir attaquer Lordaeron, pas par le nord comme toute l'Alliance s'y attend, mais par le sud, par la terre, mais également par la mer. Alors, je dis la mer, c'est plus une mer intérieure, hein. C'est pour vous laisser comprendre que le lac est immense. Donc, il va passer par les montagnes. Je le rappelle, Lordaeron, la capitale, il y a un lac immense au sud qui est presque une mer intérieure, c'est le lac de Lordaemer. Il y a Darrowmer à l'est, le Caer Darrow, là où il y a Caer Darrow. Et Lordaemer, c'est l'immense fleuve, c'est le plus grand. C'est un peu comme le lac Victoria dans notre monde à nous. C'est une immense lac, une sorte de mer intérieure. Et c'est de là justement qu'Orgrim veut construire des bateaux, etc. Et attaquer Lordaeron par le sud sans que les forces de l'Alliance s'y attendent. Il a plein de coups en surprise. Orgrim, c'est le mec qu'on n'attend pas. On se dit, là c'est bon, on a compris comment il va faire. Eh bien non, il te surprend encore. Là tu dis, bon bah c'est bon, on a compris comment... Non, il te surprend encore. Et le mec attaque de nouveau par la mer. Et il va passer, alors c'est là où la carte est pas terrible, parce qu'en fait il passe au niveau de Dalaran, quasiment au niveau de Dalaran. Et c'est là où justement il va en profiter pour mettre à sac Dalaran, il va se servir des dragons, mais également donc du clan Dragonmaw, mais également de Shogal et de Gul'dan, donc les membres, donc les clans Stormriver et Twilighthammer, qui vont attaquer Dalaran. Alors ils vont pas prendre le contrôle de Dalaran, ils vont brûler, enfin mettre un petit peu à sac Dalaran, mais ils vont pas prendre le contrôle d'Alaran. C'est encore une fois, contrairement à Stratholme par exemple, ou même à d'autres villes, c'est juste affaibler d'Alaran pour mieux attaquer Lordaeron. Donc ils affaiblissent d'Alaran et ils construisent pendant ce temps, ça met plusieurs semaines, hein, on construit pas des embarcations comme ça, mais l'idée c'est de assiéger Lordaeron, et au moment justement où il y a les préparations des bateaux, etc., de la flotte, Lordaeron est attaqué donc par la terre et par la mer. Mais c'est à ce moment-là justement que Orgrim va être un petit peu déçu, hein, parce que Orgrim encore une fois est très content, il a mis à sac Dalaran, il construit ses embarcations, il construit sa flotte intérieure pour pouvoir attaquer la mer, par la mer. La Horde est à deux doigts de gagner la guerre. Ça y est, on y est, Orgrim peut gagner la guerre, le coup de grâce, c'est le moment justement du coup de grâce, c'est le moment d'achever l'Alliance, en récupérant justement la ville de Lordaeron. C'est le moment fatidique, c'est le moment très important dans la Seconde Guerre, c'est le moment où il va y avoir le tournant, puisque Shogal et Gul'dan, c'est surtout Gul'dan bien sûr, et Shogal, qui vont trahir la Horde en partant vers la tombe de Sargeras. Donc c'est le moment où ils choisissent de quitter la Horde, plutôt que d'attendre la victoire finale. Gul'dan n'en peut plus d'attendre. Il veut récupérer le pouvoir qui réside dans la tombe de Sargeras pour récupérer le contrôle, pour récupérer le pouvoir tout simplement à lui seul, et devenir le plus puissant et pouvoir devenir le chef de la Horde et conquérir, devenir le bateau, on va dire, devenir, c'est le scénario bateau, devenir le chef
tout simplement devenir le numéro 1, le conquérant du monde. Il veut devenir le... Of course. Il veut devenir tout simplement le dictateur, le numéro 1. Et que tout le monde En fait, il en a marre d'être le larbin de Dorgrim. Il veut devenir le numéro 1, justement. Et il va pas attendre que l'Ordéon soit détruite. Il est tellement assoiffé de pouvoir et de... Et de malice, je dirais, qu'il va arriver. Il va remonter la tombe de Sargeras depuis les flots, puisque c'était une tombe qui était sous-marine. Il va ramener l'archipel de... Enfin, il va... C'est là où on voit que Gul'dan est quand même très puissant, puisqu'il va, avec ses pouvoirs magiques, remonter la tombe de Sargeras. Et il va pénétrer dans la tombe de Sargeras pour essayer de voler ses richesses, ses reliques, etc. pour devenir bien plus puissant, évidemment. Le truc, c'est que ça va pas se passer comme ça. Quand Orgrim apprend que Cho'Gall et Gul'dan ont fait défection avec leurs clans respectifs, donc ça représente quand même deux clans très importants, le clan Stormriver de Gul'dan et le clan Twilight Hammer de Cho'Gall, il peut pas laisser ça. Il va envoyer deux clans pour châtier justement Gul'dan et Cho'Gall, à savoir donc Reign des Maimes du clan Blacktooth Grim et enfin le clan Dragonmaw, donc les Chevaucheurs Dragons, qui vont aller en vitesse sur la tombe de Sargeras et détruire les deux clans félons, les deux clans traîtres. Le problème, c'est que là, ça lui fait 4 clans en moins, Orgrim. Je rappelle qu'il avait un clan qui était, donc le clan Bleeding Hollow, qui était bloqué à Kazmodan pour garder le contrôle de Kazmodan et repousser justement les nains d'Ironforge, enfin tenir les nains d'Ironforge et les gnomes de Gnomeregan en respect. Il avait laissé des troupes aussi en Kel'Thalas pour bloquer, pour continuer le siège de Silvermoon, de Lune d'Argent. Donc il est complètement bloqué parce que là, il a plus assez de force pour achever justement l'alliance à l'Ordéon. Donc. Il est obligé, en plein siège, il est obligé d'abandonner la position et de repartir vers Blackrock, parce que s'il reste là, il va tout simplement se faire couper en deux. Il y a les forces de Turalyon, donc les forces de Turalyon, les forces de Chevalerie qui l'attendaient et qui menaçaient de le couper en deux, donc il va repartir. Et là, il est ivre de colère, il est ivre de rage, Orgrim, parce qu'il était à ça de détruire l'Alliance et de gagner la guerre et du coup d'offrir un avenir à son peuple. Il est obligé de... Parce que c'était... Il gagnait du temps à chaque fois. Il gagnait du temps. Il avait mis des troupes. Il faut bien comprendre qu'il y a une idée de sacrifice. L'Alliance n'est pas en mode... Par exemple, les troupes en Arati, des orques en prennent plein la gueule parce que toutes les forces de l'Alliance sont sur eux. Donc, il était obligé de maintenir le cap et d'aller très très vite. Même si ça se fait sur des mois et des mois et des années même, c'est quand même une question de temps. Il y a un moment donné où ça va rompre, il ne pourra pas tenir. Donc, il est obligé de repartir. Il peut pas continuer le siège de l'Ordéron. Sous peine de voir toute son armée se faire détruire. Donc il est encore une fois, c'est là où on voit qu'il est très intelligent. Il va repartir. C'est le moment justement où le vent tourne dans la guerre, puisque c'était le moment où la Horde aurait pu gagner. Mais la trahison de Gul'dan et l'impatience de Gul'dan et de Cho'Gall ont fait que l'Ordéron est sauf et les orques sont obligés de se replier. Donc on attaquera dans la deuxième partie, on attaquera justement la suite, puisque Rain Blackhand a été envoyé pour s'occuper de la tombe de Sargeras. J'y reviendrai après. Je veux m'arrêter là pour pas que la partie 1 soit trop longue. Mais du coup, à la fin justement de cette première partie, les orques sont obligés de se replier, de quitter les lieux, de regagner leur position au niveau de Blackrock. Ça se fait pas comme ça d'un coup, ils reculent petit à petit. Et ça va permettre justement à l'Alliance de contre-attaquer. Cette trahison va permettre à l'Alliance de contre-attaquer et finalement de gagner la guerre. Donc ça, on attaquera dans un second temps. On attaquera ça dans la deuxième partie. Sachant que je rappelle que la troisième et quatrième partie seront consacrées à Beyond the Dark Portal, l'extension de Warcraft 2. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette première partie vous a plu. C'était un énorme morceau qui se fait en deux temps, évidemment, mais c'est quand même un énorme morceau. Donc j'espère que ça vous a plu, c'est quand même un... J'espère que les cartes, etc. vous auraient aidé. Encore merci beaucoup à Evanessor qui m'a beaucoup aidé au niveau des cartes, au niveau des bannières, pour que ce soit plus simple pour vous. Je sais qu'il y avait énormément de noms, énormément de factions, etc. à retenir. Mais cette vidéo est super importante pour vous, pour que vous compreniez. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans World of Warcraft, et maintenant, même de War 3 à World of Warcraft, découlent complètement de ce qui se passe dans Warcraft 2. Le fait que certains ogres et certains orques vont aller à l'ouest, etc. Enfin, ça, c'est super important. J'y reviendrai, bien sûr, dans la seconde partie, comment ça se passe au niveau de la tombe de Sargeras. Ce sera le moyen qui me permettra de faire mon introduction de la deuxième partie, tout en reliant un petit peu ce qui s'est passé très rapidement dans la première partie. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, des observations, etc. N'hésitez pas, évidemment. Je rappelle vite fait aussi que les narrateurs, quand vous jouez à Warcraft 2, vous avez en fait un point de vue interne, un petit peu à l'image de Starcraft. Vous avez un point de vue interne, vous êtes un membre directement intégré à l'histoire.
Donc il y a un narrateur qui vous parle, etc. On vous apprend justement que les ordres d'Orgrim doivent être suivis, les ordres de Lothar de l'autre côté doivent être suivis, et vous êtes un protagoniste de l'histoire. Du côté des orques, comme de l'Alliance, c'est pas tout à fait certain de savoir quelle est l'identité du chef. Côté Alliance, c'est plus simple. Même si c'est possible que ce soit en plusieurs trucs, mais dans Tide of Darkness, je le rappelle, pas dans Beyond the Dark Portal, dans Tide of Darkness, donc la première partie de Warcraft 2, le narrateur côté Alliance, c'est Turalyon. On y reviendra au niveau de la contre-attaque, mais c'est Turalyon, le grand commandant de l'Alliance, c'est celui qu'on incarne en tant que joueur dans Warcraft 2. Côté Horde, c'est beaucoup plus compliqué. Je vous ai mis d'ailleurs la photo de Rain Blackhand, mais il est fort probable que ce soit plusieurs personnages et peut-être Rain Blackhand, donc le fils de Blackhand, dans la deuxième guerre. Mais là-dessus, c'est un petit peu sujet à... Il n'y a pas eu d'informations, malheureusement, Blizzard n'a pas canonisé le nom du protagoniste que l'on incarnait, donc c'est le problème. Mais comme on joue très souvent les orques du clan Black Tooth Grim, il est fort probable que nous incarnons Rain Blackhand, mais on sait pas trop là-dessus. Donc au niveau donc de la deuxième guerre, donc je vous remets la carte, voilà comment se conclut la première partie. Dernier acte au niveau de la tombe de Sargeras, c'est justement la bataille clé pour savoir justement ce qui va se passer par la suite. Donc en tout cas voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il y a pas mal de vidéos qui vont graviter autour de celle-ci. Évidemment, bon, on n'a pas encore fini, mais il y aura la suite avec Warcraft 3. Il y a également donc la vidéo sur Alexstrasza pour comprendre un petit peu ce qui se passe à Grim Battle, là où réside le clan Dragonmaw. Vous avez la vidéo sur Zul'jin pour comprendre un peu pourquoi les trolls agissent comme ça. La vidéo sur le clan Burning Blade de Samuro, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour la prochaine, la deuxième partie. Et ensuite, on attaquera Heart of the Swarm de Starcraft avant d'attaquer la troisième et quatrième partie. Encore une fois, merci à tous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.